1957. Only you can make this world. 1957. J'aurais aimé ça que mes enfants naissent comme moi en 1957. Au mieux, j'aurais aimé ça que mes enfants soient des adolescents en 1957, qui connaissent comme moi les vrais chars, les chars des années 50, la vraie musique, le rock and roll des années 50, et surtout qui connaissent l'homme de 1957. C'est vrai, parce que dans le temps, c'était le fun parce que tout était clair. Un gars, c'est un gars. Une femme, c'est une femme. C'est vrai. C'est vrai. Dans le temps, c'était clair. Puis c'était correct de même. T'sais, un homme, c'était un homme. T'sais, mon grand-père, c'était pas un... Hein, c'était un homme. Mon père, c'était un homme. Aujourd'hui, regarde-moi ça. T'sais, vrai, mon père, là, la femme, elle savait qu'elle était une femme. Mon père était un homme. Puis tout le monde respectait l'autre. T'sais, non, c'est vrai, c'était le bonheur. Mon père, ça se levait le matin. Là. On l'entendait se lever dans la chambre, on applaudissait dans la cuisine. Papa est debout. Là. Les pantalons, la chemise blanche, le paquet de cigarettes sur l'épaule, le brie cream dans les cheveux. Il rentrait dans la cuisine 7 heures le matin. Ma mère, elle s'était levée à 5 heures parce qu'elle faisait leur passage. Elle avait une tarte aux pommes, tout ça. Ma mère était parfaite aussi. 7 heures le matin, coiffée, maquillée, rouge à lèvres, le tablier, elle était parfaite. Belle tarte aux pommes, elle attendait mon père. Là, mon père, il partait travailler, on sortait tous dehors. Papa, il avait gagné la vie de la maison, il s'en allait avec son chapeau d'or, il embarquait dans son gros chevalet Impala. Le chien courait autour du char, on faisait bye-bye, papa, bye-bye. Il reculait dans la rue, il partait comme tous les pères de la rue. On faisait des bye-bye. Hein. Il revenait à 5 heures, on était tous dans le cours en train de faire des bye-bye. Il rentrait dans le cours, ma mère était parfaite, elle avait pas bougé de la maison de la journée. Rouge à lèvres, tablier, tout était parfait, elle attendait mon père, une autre tarte aux pommes, elle suivait, elle rentrait dans la maison. Il rentrait dans la maison, il allait s'installer dans son lazy boy. Là, il levait ses pieds comme ça. Puis avant que ses pieds retombent à terre, ma mère mettait un pouf, faut qu'il se fasse mal. Et là, summum du confort, elle apportait son journal et puis sa pipe. Hein, les gars? Une bonne pipe pendant qu'il vient de travailler, hein? Il y a des belles traditions qui se perdent, hein? Vous avez rêvé, les gars. Vous aimeriez ça venir dans ce temps-là. T'as aimé ça venir dans ce temps-là. Là? Oublie ça! C'est fini! On a perdu, les gars! C'est les femmes qui ont gagné. Je vous le dis, dans 10 ans, ce qui va amener le monde, c'est les femmes pis les Pokémon, est-ce que... C'est vrai! On a ri des femmes des années 60, de la libération de la famille brûlée de l'eubracisme, on a des pancartes, on a dit « c'est une mode, ça va passer ». Non! On les a laissés aller, ils ont gagné. Les gars, on n'existe plus. Êtes-vous fiers de ça, mesdames? Je vous applaudis, mesdames. Bravo, mesdames. C'est vrai! L'homme n'existe plus, on n'existe plus. Hein? Les hommes, mon père, mais n'a plus de ça. Est-ce qu'il reste un homme? Il s'est dit, c'est un homme dans la salle, ça. L'homme d'aujourd'hui, je sais, il me promène en tournée par en cherche, hein? Faire la province au complet. L'homme d'aujourd'hui, c'est pas ici à Québec, les pays. Ils sont à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Check-moi l'homme, toi. Sais-tu qu'un coq deux pantrioches, là? C'est lui qui a fait l'épicerie. Il pousse le panier, il magasine les boutiques d'aliments naturels. Il achète des graines, Chris. Il a hâte de rentrer à la maison, il va avoir une discussion avec sa femme. Méchante discussion, s'il élève la voix, il fait ouais! Quand tu rentres chez eux, penses-tu que les enfants l'attendent en train de faire des bobettes? Pfff, s'il y a un enfant qui l'attend, il a les cheveux verts, il a 16 ans, une pile dans le nez, il la voit chier quand tu rentres chez eux. Une tarte aux pommes, au tofu peut-être, oui. Puis la pipe, oublie ça, hein? Ah, fini! On a perdu! Les femmes ont plus besoin de nous autres. Fini, comme moi, la canne de flambeau qu'on est rendu de pas de colonne de lâche! Fait 10 minutes, je vous insulte, personne n'est venu me planter. En 57, il y en a 4, une consolation, là, hein. Hein, sont peut-être les femmes, il y en a qui se lèvent. Hein, reste aussi là, toi, hein. Ah, oh, que je suis pas fier. Êtes-vous fier de vous autres, les gars? Non, même pas fier! Mesdames, on peut-tu servir encore quelque chose? On peut-tu vous aider? Pourquoi vous nous gardez? La preuve de ça, qui, ce soir, dans le couple, a décidé de venir voir le spectacle? Qui c'est qui a traîné l'autre, là? Hein? Mesdames, merci, c'est très gentil. Hein, on a payé ta carte de crédit de qui? Monsieur. Hein, c'est vrai, le malade, c'est même pas des choses, c'est tout vrai. Oui, oui. Merci quand même, nous, les gars, on est là, hein? Non, j'envoie là-bas, hein? On n'existe plus. Fini. Les femmes n'ont plus besoin de nous autres. Même pas pour faire des enfants. Les femmes n'ont plus besoin de nous autres pour faire des enfants. C'est vrai. Beau message que Ronan Jadil vient de laisser à l'humanité. Bravo, René, bravo. Ah, il l'a dit, lui, hein, pas besoin de l'heure. Faites congeler ça quand tu en as besoin. Faux micro-ondes, 15 secondes à New York. Pouf. C'est vrai qu'on n'existe plus. On est en voie de disparition. J'en ai eu la preuve chez moi l'autre jour. Mon plus jeune, 8 ans, demande à ma blonde. Maman, d'où ça vient les bébés? Elle dit du ventre de la maman. Avez-vous entendu mon nom là-dedans, vous autres?
du ventre de la maman. Là, mon fils, c'est un garçon, c'est qu'il est inquiet pour son amener. Il dit, oui, mais papa, là-dedans, papa, là, en fouillant le sacrifice, essaie de se rappeler que c'est que je veux de fille. Là-dedans, les enfants, puis tout, tu sais. Là, il dit, papa, les enfants, papa, 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 lui, hein, c'est ça, papa, attendez, papa, papa. Ah, il dit, oui, j'ai les enfants, papa, papa, les enfants, papa, c'est la semence. La semence, les gars, hein? De l'engrais, calice. C'est ça qu'on est rendu, de la graine à pelouse. Foie de charbonneau, c'est vitagro qu'il nous faut. Du fumier, de rien, ouais, donc, là, tu sais. Êtes-vous fiers de ça, les gars? OK, OK, j'accepte. On est rendu de la semence. On est juste ça. Mais, les gars, aimeriez-vous ça redevenir numéro un, comme dans les années 50? Oui, vous êtes bien, hein? Si vous avez un chien dans le cours au bout d'une chaîne, là, regardez-les. C'est nous autres qui s'en va là le prochain. Aimeriez-vous ça revenir numéro un, les gars? Oui! Écoutez-moi bien. OK, on est de la semence, mais cette semence-là, c'est nous autres qui l'a. Ils l'ont pas. Fait qu'on le donne si ça nous tente. Pas à soi, j'ai mal à la tête. On l'a entendu, peu belle répéter de temps en temps. C'est vrai, il faut retrouver la fierté de notre semence. Oui, c'est nous autres qui l'a, mais il faut en profiter. C'est nous autres qui l'a. D'abord, arrêtons d'appeler ça de la semence, OK? C'est pas de la semence, c'est du sperme! Le monde me regarde, va pas voir des achats à TV. Oui, sperme! Sperme, 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 regarde-moi, toi! Sperme! C'est vrai, c'est le plus beau mot de l'humanité, le sperme! Il y aurait personne dans la salle ici ce soir, il y aurait personne sur la planète si ça avait pas eu le sperme! On oublie la fierté du sperme, c'est vrai. Des femmes veulent le faire enlever du dictionnaire et savent que ça menace leur position. Ah ah! Le sperme! On n'en parle plus. Hein, quand est-ce qu'ils parlent de ça aux nouvelles? Hein, le taux de sperme a monté, descendu, fini, on n'en parle plus. C'est vrai, c'est un beau mot. Et on pourrait en parler encore dans un couple. Tu te lèves le matin, tu demandes à ton chum comment va ton sperme le matin, hein? En veux-tu tes toasts, quelque chose? C'est vrai, on n'en parle plus, ce mot-là. Fini. On est même plus capable de le dire. On essaie-tu tout le monde ensemble? OK, à toi. OK, tout le monde ensemble. Un, deux, trois. Sperme! Juste les gars, c'est un, deux, trois. Sperme! Juste les filles, c'est un, deux, trois. Sperme! 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 Sacrifice. Sinon, toi, tu bout de la langue pour moi de faire valer ça. Ah, j'ai même entendu « urk ». Comment ça, « urk » C'est beau, du sperme. C'est bon, du sperme. Non, non, j'ai jamais goûté, là. Non, mais je suis sûr d'une cuillère, je suis sûr que les yeux fermés, ça doit passer très bien. C'est vrai, les gars, il faut retrouver la fierté de notre sperme. Êtes-vous fiers de votre sperme, les gars? Oui! Vraiment fiers de votre sperme, les gars? Oui! Individuel, à ce temps, check bien ça. Ah ouais, parce qu'on est de même au Québec, hein. Quand on est dans la rien, ah, Québécois, il est où ça, le cul? Mais tu seul dans une petite boîte, ça change vite en sacrifice, m'a dit. Êtes-vous fier de votre sperme, monsieur? Oui. Oui, monsieur. Jeune homme, fier de votre sperme? Oui, 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 c'est quoi? Fier de votre sperme, monsieur? Sacrifice. Fier de votre sperme, jeune homme? Oui. Oui, fier de votre sperme? Oui. Oh, excuse-moi, tu me téléspiques. OK, fier de votre sperme? Je me sens comme un homme politique. Votez pour moi. Moins d'impôts, plus de sperme, OK? D'abord, la chose bien importante pour se souvenir qu'est-ce que c'est, je vais vous expliquer. Dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. Okay? Il y en a combien? 500 millions. Je sais, je les ai comptés. Okay? 500 millions de spermatozoïdes qui se tiennent tous ensemble comme dans un local. Là. Ben, un local, c'est plutôt comme deux locaux, finalement. Là, c'est comme un duplex, mais pas égal. Là, c'est bon. Ben, des fois, c'est de même. Des fois, c'est de même. Oui, madame. Des fois, c'est de même. Quand l'eau est bien, bien frais, pouf, c'est de même. Alors, 500 millions de spermatozoïdes dans ce local-là, espérance de vie, 72 heures. Après 72 heures, ils meurent. Donc, il faut qu'ils sortent avant. Oui, mesdames, pensez pas qu'on fait ça pour le fun, nous autres, là. Hein? Ah non, c'est juste parce que... On veut pas qu'ils meurent, on veut pas s'amasser qu'un génocide des mains, autres, là. Fait que, on veut pas en dire, quand ça fait 50, 60 heures que c'est pas sorti, ça nous paraît d'en face. Hein? On devient assez fatigant dans la cuisine, merci. Je sens que les enfants sont dehors, maman!
Ça, me l'est pas mal barré à la porte, mon nom. Parce que vous savez pas qu'est-ce qu'on vit, on s'en plaint jamais, mais ça bouillonne en bas, mesdames, on jamais, hein. Regardez ce qu'on se fait là, on vient toute peinture, ça bouillonne. Ça veut sortir, tu suites. Parce que je sais pas, parce que les petits spermatozoïdes sont 500 millions, mais ils se connaissent, comme des petits bonhommes. C'est celui Robert, c'est celui Roger, c'est vrai. Ils sont tous là, ils sont venus vers la course, le grand prix du sperme, c'est ça. Alors, ils sont tous venus, ils sont pas venus encore, ils sont tous arrivés pour le grand prix du sperme. Là, ils attendent, mais il y aura pas de qualification, rien. Tout ce qu'ils attendent, c'est le signal du départ. Mais c'est pas go, hein, c'est plutôt oui, oui, oui. Et là, le premier qui traverse l'ovule remporte le grand prix du sperme. Et c'est là... Bonsoir. On vous a attendu un peu, puis finalement, on a dit, on va commencer, hein? On est inquiets. Ils sont arrivés, mesdames et messieurs. Rassurez-vous, ils sont arrivés. C'est dommage, j'avais manqué tout le début, c'était avec cœur. Le monde était debout, j'avais les filles me lançaient des brassières, ça, c'était... À vous, de votre billet? Qu'est-ce qui est marqué dessus? C'est-tu marqué vers 8 heures ou si c'est... Okay, vous avez payé le même prix que tout le monde, hein? On va recommencer. Fier de votre sperme.
fièvre, fièvre, c'est remarquable, un homme politique, là, toi, tu l'expliques, OK? Fièvre, fièvre, c'est, moins d'impôts, plus de sperme, OK? 500 millions de sperme, t'as trouvé? C'est dur à suivre, mais c'est bien, bon, tu dis, comme ça, comme ça, comme ça, blablabla, voyez, comme ça, OK, c'est ça. Après ça, dans le corps, c'est là qu'une femme qui tombe enceinte. On t'est rendu là, OK? Quand ils sont pas arrivés à l'entraque.